J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de jouets en compagnie de Nénès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va ouvrir la deuxième partie des petites poupées R12. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous la mettrai dans la description. Inès, il y en avait trois à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois qu'on t'a pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pose-moi ça là tout de suite. Non, mais elle vous a volé, hein. Alors, donc, les amis, regardez-moi cette jolie petite bouteille. Pendant qu'Inès est en train de chaparder la deuxième. Et non. Alors, les amis, comme vous pouvez voir, il s'agit de la gamme des R12 Pastels. Voilà. C'est parce que c'est marqué. C'est marqué, regarde. Pastels. Alors les amis, du coup, si vous regardez bien, cette bouteille contient une poupée R12, la bouteille donc qui sert de capsule, un accessoire pour les cheveux, une petite chaise comme ici, une ventouse. R12 Cape, c'est genre l'espèce de veste qu'on met là quand on est chez le coiffeur. Apparemment, il y a ça à l'intérieur. Et un geek collector, donc avec le détail de chacune des petites poupées. Et comme vous pouvez le voir, il y en a 12 à collectionner et une qui a les cheveux qui brillent dans le noir. Oh, ça sent les fruits. Voilà. Donc dans un premier temps, les amis, on va enlever l'emballage plastique et on se retrouve dans un instant. Voilà, les amis, on a ouvert les trois petites bouteilles. On va regarder ensemble le guide des petites poupées. Alors, bien entendu, je vais les passer assez vite parce que moi, j'ai pas envie de me spoiler. Hop, donc elles sont vraiment très, 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 très belles. Sont super jolies. Et donc, il y en a une qui brille dans le noir. Et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, ce sont les instructions, mais pour le coup, on les connaît déjà. On commence par la découverte. Hop. Hop. Donc voilà, les amis, on a retiré du coup les poupées de leur socle. Parce que c'était ultra collé, tout simplement, comme d'habitude, avec là le scotch. Donc, les amis, voici la mienne. Alors, la petite cape du coiffeur. Le petit socle avec le siège. Voilà, tout simplement. Ou la ventouse, pour ceux qui préfèrent. Une très jolie petite brosse avec la marque R12 dessus. Donc, tout mignon. Et voici donc à quoi elle ressemble. Elle est trop choupi avec ses petites choupettes là. Elle est très mignonne. Elle a des petites mèches dans les cheveux, donc du rouge et du violet. Elle a un diamant sur le sourcil, on sait pas pourquoi, sur la tronche aussi. Les cheveux sont ultra doux, c'est vraiment très mignon. Donc elle en a une sacrée touffe. C'est beaucoup plus grand qu'elle d'ailleurs. Une belle mèche bleue derrière aussi. Et regardez ses petits vêtements. Très mignon. Voilà. Par contre, niveau odeur, rien à voir avec celle de la dernière vidéo. Elles sentent presque rien. C'est dommage d'ailleurs. Voilà donc pour la mienne. Alors, elle a un petit peigne comme ça. Nuage, avec dans le nuage des petits cœurs et des sucettes. Ensuite, il y a... Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, c'est ce qu'on met par-dessus nos vêtements quand on est chez le coiffeur pour pas se salir. Ok. Alors, déjà, elle a une mèche ici. Et le fauteuil ici. Ils sont beaux ces cheveux, tout violet. Ouais. Du coup, elle ressemble à ça. Par contre, c'est l'air dans sa mèche, regarde. Ouais, mais c'est parce que ça devait se mettre comme ça, sauf que dans la boîte, ça a dû rester sur elle. Ouais. Du coup, ses cheveux, ils sont comme ça.
Ils sont amélés. Ils sont un peu violet rose avec des mèches bleues. Ensuite, elle a des sourcils avec des étoiles dessinées dessus. Elle a des petites chaussures violettes. Un short. C'est des petites bottes, elles sont trop mignonnes. On va dire bleu turquoise. Un t-shirt bleu turquoise et une veste de la même couleur que ses chaussures, donc violet. La dernière, du coup. C'est pas la même, dis-moi pas. Non, c'est pas alors, vrai. Les gens, on va pas faire l'autre truc. Oh non, c'est pas vrai, on n'a pas de chance. Bon, bah écoute. On n'a vraiment pas de chance, Inès. Bon, bah les amis, c'est un doublon. Génial. Oui, elle a une sœur jumelle en fait, je ne vous l'avais pas dit. Au revoir, les amis. Retour au placard. Alors, les amis, du coup, moi j'ai obtenu la petite Mint Space Bundu, celle-ci. Et puis Inès, elle l'a eu celle-ci. Donc, Vintage Curly Doo. Donc voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Elle était très courte, bah forcément, vu qu'on a eu un petit double, ça fait une présentation en moins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un max de pouces bleus. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces deux petites poupées est votre préférée. Pensez à activer la petite cloche. Et surtout, abonnez-vous!